religion, hier c'était dimanche, vous avez compris, on ouvre ce journal par de la religion à Libreville. La paroisse Sainte-Jeanne d'Arc d'Akébé en fête ce dimanche. Les fidèles ont célébré dans l'allégresse leur fête patronale. C'est ce que nous rapportent Ludwin Kavouf et Victor Mondonga. Devenue l'une des 4 saintes patronnes secondaires de la France et dans le monde entier, après avoir inversé le cours de la guerre de son temps et délivré la France de l'occupation militaire anglaise, Sainte Jeanne d'Arc est célébrée par l'Église catholique tous les 30 mai de chaque année. À Libreville, les fidèles de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de Likwala, du nom de cette personnalité religieuse mythique, sont venus en grand nombre pour magnifier leur sainte protectrice. Sainte Jeanne d'Arc, et c'est une sainte qui est vénérée par tous les paroissiens de Likwala. Ça fait 38 ans que cette paroisse existe et donc beaucoup de paroissiens, nos aînés dans la foi, nous ont initiés dans la manière où on devait être resté attaché à Sainte Jeanne d'Arc qui a beaucoup travaillé pour la libération de la France, mais aussi pour l'actualiser, pour la libération de notre paroisse qui grandit au fur et à mesure, qui change au fur et à mesure. Homélie, prières, offrandes ont ponctué la messe d'un dimanche particulier à Sainte Jeanne d'Arc, rehaussée par la présence du vicaire général, Monseigneur Patrick Demaïdou. En cette célébration eucharistique, en lien avec les textes que l'Église prévoit en ce dimanche, nous avons fait un lien entre cette valorisation de la femme qui est présentée dans les Actes des Apôtres, le texte, premier texte que nous avons écouté, valorisation de ces femmes, de ces femmes dans la foi, de ces femmes dans l'Église, de ces femmes dans la Bible, Marie en premier, et avant elle, dans l'humanité, d'autres qui ont témoigné de l'amour de Dieu, qui ont montré qu'il y avait une place importante de la femme dans la démarche de foi. Vêtus pour la plupart aux couleurs de leur sainte patronne, aucun fidèle de la paroisse de Likwala n'a voulu être absent à cette célébration spéciale pour leur communauté. Il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix à Sainte-Jeanne d'Arc. Ce n'est pas qu'il y a la fête que vous voyez comme ça. Nous, on est tous les jours comme ça. Que Dieu garde tous les paroissiens, tous ceux qui nous ont soutenus aujourd'hui. La fête est très belle. Célébrer la fête de Jeanne d'Arc ici. Je suis ici depuis 1973. On a l'habitude de célébrer cette fête-là. Bon, c'est peut-être l'organisation qui change un peu avec le temps. Le partage de ce repas entre frères et sœurs, signe de fraternité et d'amour, a constitué l'étape ultime de la célébration de la fête patronale à l'église Sainte-Jeanne d'Arc d'Akébé.